Je me trouvais à Tahiti une semaine après l'élection d'Obama. Cette élection qui était remarquable avec ce slogan époustouflant, « Yes, we can !»« Oui, nous pouvons !» Et aussitôt arrivé, alors que je me préparais à ma semaine d'évangélisation, quelqu'un m'a interpellé par cette question. « Obama, est-ce un signe des temps ?» J'ai souri, j'ai haussé les épaules et j'ai répondu « Oui, dans le cadre du temps de l'histoire de l'Amérique !» par rapport au fait que c'était le premier noir à la tête de ce pays dont l'histoire est marquée par des violences discriminatoires. Si vous lisez, si vous allez sur YouTube et si vous consultez quelques sites de nos églises aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, vous serez surpris de voir le nombre de sermons sur l'avènement Trump. N'est-ce pas ? Obama, dans lors de sa deuxième élection, avait comme slogan « The best is to come », « Le meilleur est à venir ». Est-ce que Trump était dans son collimateur ? Est-ce qu'il le présageait ? Je ne le pense pas. N'est-ce pas ? Pourquoi cet engouement à chaque fois qu'on a une élection aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a un événement marquant dans l'histoire ? Par rapport à Trump, eh bien, certains de nos prédicateurs pensent qu'il sera le lien dans un cadre très prophétique et très adventiste, puisque 80% des évangéliques ont voté pour lui. Mais ils votent aussi toujours pour les républicains, n'est-ce pas ? Et que dans son discours inaugural, il a fait au moins 2 ou 3 allusions à Dieu, et qu'il est pro-Vatican. Est-ce suffisant pour voir en lui, eh bien, le lien de notre interprétation politique. Il faut qu'on soit clair. Dans notre vision de l'histoire, le retour du Christ est au centre. Et liés à ce retour sont les signes des temps. Mais avoir les signes des temps partout, eh bien, peut-être un peu naïf. Je voudrais juste vous rappeler. Et là, j'ai entendu des sermons et des sermons sur tous ces cas que je vous présente. Lorsque Kennedy a été élu, j'ai entendu une dizaine de sermons à ce sujet. Premier catholique à la tête d'un pays protestant, l'Amérique, qui semble va jouer un grand rôle dans notre vision des choses. Lorsque l'homme a été sur la Lune, j'étais à Madagascar et j'ai écouté un prédicateur qui disait avec beaucoup de ferveur, c'est pas possible, il n'ira jamais sur la Lune. Si toutefois il y allait, eh bien ce serait la fin du monde. Une semaine après, l'homme était sur la Lune et je m'attendais à ce qu'il s'excuse. Mais il ne l'a pas fait, n'est-ce pas ? Eh bien oui, le bug de l'informatique. Tous les journaux les plus honorables, Le Point, Le Figaro, L'Express, faisaient des articles sur cette entrée catastrophique dans le troisième millénaire où l'électronique devait être en panne dans le monde entier. Je me rappelle d'une semaine de prière à Tahiti où les gens étaient un peu dans l'attente et 2 familles américaines étaient venues et cherchaient un endroit éloigné pour se cacher par rapport à ce qui devait arriver le 1er janvier. Et bien sûr que la présence de ces 2 familles américaines provoquait dans les églises une certaine inquiétude. Eh bien oui, le pontificat de Jean-Paul II, le pape voyageur, le pape de la réconciliation, premier contact avec les juifs, les musulmans, les grandes branches du christianisme, à savoir l'église anglicane, l'église orthodoxe, la chute du communisme, le retour massif des juifs en 85, les juifs éthiopiens, n'est-ce pas, en Israël. J'étais à Sherbrooke, au Canada, lors d'une conférence, et je vois cette dame qui arrive en me disant « Monsieur le pasteur, il revient !» Comment le savez-vous ? Les Juifs reviennent dans leur pays. Plus d'un texte de l'Ancien Testament eh bien, parle de ce retour. À chaque fois, il y a une effervescence prophétique. Et le temps passe, et la vie continue. J'aurais pu faire allusion à quelques cas
particulier qui montre quand même un petit côté naïf. En 1978, l'Angleterre livre une bataille contre la Turquie dans les plaines de Megiddo. Les plaines de Megiddo, c'est Armageddon. Donc, conférence publique, Armageddon est à la porte. Nous sommes en 1978. Le sixième sauve, l'ange qui verse sa coupe sur le fleuve l'Euphrate et l'Otari pour préparer la voie des rois de l'Est. On a toujours voulu savoir qui sont ces rois de l'Est. Enfin, on le sait, c'est le Japon. Parce que sur le drapeau, eh bien, il y a eh bien, le symbole du soleil levant. En Yougoslavie, dans un village de la Yougoslavie, il y avait quelques personnes témoins de la chute d'étoiles de 1833 qui étaient encore vivantes. Et bien sûr, certains ont compris, dans une application littérale du texte, cette génération ne passera pas. Donc, cette génération, les témoins de la chute d'étoiles, et on attendait l'arrivée de Jésus-Christ aussitôt après leur mort. Ils sont morts et bien morts et rien ne s'est passé. Et bien donc, pourquoi cet engouement, nous l'avons dit. Je voudrais juste apporter quelques clarifications et comme l'apôtre Pierre nous le demande, d'avoir une saine intelligence, n'est-ce pas, par rapport à ces événements et par rapport à notre vision des choses. Et je partirai avec ce texte très très connu, Jésus est en face eh bien, de ce temple de Jérusalem, et Jésus regarde ce temple de Jérusalem, et eh bien ce texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24 et le verset 3, et Jésus dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et les disciples, inquiétés par cette phrase, lui posent la question, dis-nous quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Pour les Juifs, si Jérusalem disparaissait, le monde disparaissait avec. Car Jérusalem était le centre du monde et est toujours un enjeu politique aujourd'hui. Quatre éléments dans ce verset. Quel sera le temps? Quand? Quand? Notre histoire adventiste, pas officielle, je précise, mais au niveau individuel, a connu au moins une trentaine de fixations de dates. C'est beaucoup. Environ une trentaine de fixations de dates sur ce retour, alors que le texte est clair, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais pourquoi, malgré tout, on veut à tout prix trouver une date, quand le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour est comme mille ans, en d'autres mots, nous sommes en décalage par rapport à son temps. Ce qui est long pour nous ne l'est pas pour lui. Deuxième élément, si, n'est-ce pas? Et le troisième élément, fin du monde. Et le quatrième, avènement, n'est-ce pas? Donc voilà les quatre éléments que nous avons dans ce texte. Eh bien, le temps, le si, n'est-ce pas? La fin du monde et l'avènement. Permettez-moi d'attirer votre attention, je m'attendrai un peu sur le mot « si », sur la question de la fin du monde. J'avais environ 12 ans, quand mon père faisait une série de conférences à l'église de Beaubassin, classique bien sûr, et dans cette liste de conférences classiques, le retour de Jésus-Christ, on l'aborde automatiquement avec les signes des temps, la fin du monde, et je me rappelle bien du titre de sa conférence, il est minuit moins 5 à l'horloge céleste. Titre ronflant, on les compte, plus que 5 minutes. Et le lendemain, j'étais sur l'arrêt d'autobus, et je voyais bien à la première page d'un des journaux populaires ce grand titre, méfiez-vous des faux prophètes. La photo de mon père. Faux prophète. Ça m'a traumatisé. Et arrivé à l'école, mes copains, bien sûr, qui s'amusaient, ton père, faux prophète. Et je pense que j'ai été touché par cela, parce que cette question m'intéresse, et j'essaie de l'aborder d'une manière très équilibrée. Faisons une remarque très, très importante. Une remarque qui me semble être capitale. Pour bien comprendre cette notion de fin du monde, il faudrait
la considérer dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parce qu'elle s'y trouve. Elle n'est pas seulement dans Matthieu 24 ou dans l'Apocalypse. Déjà dans la Genèse, on en parle. Et les deux métaphores du déluge et de Sodome et Gomorre sont les métaphores les plus puissantes à ce sujet. On la trouve, n'est-ce pas, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans la métaphore de l'entrée en Canaan. Tellement de cantiques à ce sujet, n'est-ce pas? On la trouve dans cette métaphore, n'est-ce pas, de la vallée de Hinnom, où on jetait les poubelles de la ville. Il y avait un feu qui brûlait constamment parce que ce feu était alimenté. Et le Christ reprend cette image pour parler de fin du monde. On la trouve chez tous les prophètes par rapport au retour d'Israël, par rapport au rétablissement d'Israël. Certains courants évangéliques, eh bien, sont focalisés là-dessus. On la trouve, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Matthieu 24, dans les épîtres de Paul. On la trouve dans la période intertestamentaire entre Malachie et Matthieu. Et Paul s'inspire de toute une littérature apocalyptique qui se développe pendant cette période-là. Et bien sûr de l'Apocalypse. Une vision juste du concept exigerait qu'on comprenne le contexte de toutes ces occasions où on parle de fin du monde. Non pas seulement s'arrêter sur un verset et faire une application en se rendant compte, mais depuis que le monde existe, existe cette notion. Deuxième élément par rapport à l'histoire que je vous ai racontée contre mon père faux prophète, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus tellement l'Église qui parle de fin du monde, c'est la société. C'est la société. Et je pense à ce livre que j'ai lu, Entretien sur la fin des temps. Permettez-moi de... Oui, ça, je commente cette image très rapidement. Et là, vous avez Jim Jones, vous avez un certain Charles Manson, vous avez un certain Moïse Thériault et vous avez un certain David Koresh. Pourquoi je vous montre cette image? Je vous le dis dans quelques secondes. Il y a quatre courants, quatre options malsaines par rapport à l'attente de la fin du monde. Première option, on est blasé, on est cynique. Le texte de Pierre illustre cela. Depuis le temps qu'on attend, où est donc la promesse de son avènement? Blasé. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Je retournais à Maurice il y a quelque temps de cela, et j'étais un peu surpris dans l'église de mon enfance. Et bien sûr, il y avait sur les rideaux, un rideau, je me souviens bien, écarlate, et la phrase était de couleur argentée, « Maranatha, Jésus revient bientôt ». Étonnement, avec étonnement, ça a disparu. Le rideau est toujours là, mais la phrase a disparu. Et à la place, on a mis « Louez l'Éternel ». Et dans mon sermon, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, ça me donne l'impression que le pasteur tend à venir, chantons quelques cantiques en attendant, n'est-ce pas? Blasé, cynique. On attend depuis si longtemps, n'est-ce pas? Deuxième attitude, traumatisé, frustré par les extrémistes. Ces quatre images que je vous ai montrées, quel est le point commun? Quatre Américains du Nord. Manson, qui est encore en prison pour avoir tué, massacré plus d'une personne, et surtout l'actrice Sharon Tate, et bien la femme de Polanski. Il est toujours en prison. Jim Jones, le premier monstre apocalyptique, son église du Temple solaire, n'est-ce pas? Et bien plus de 1000 personnes complètement gazées en une seule nuit. Les deux autres, Koresh, Adventiste. Il faut bien le reconnaître. Nous avons produit aussi un monstre apocalyptique. Certains de ces Adventistes du temps de Koresh fréquentaient une église que je connais très bien au Canada, ancien moniteur. Et je me suis toujours posé la question en lisant tout ce qui était dit. Comment cette église, si fidèle à la parole, a pu produire un David Koresh? L'autre, Moïse Thériault, Adventiste, pour 3 mois seulement. Un Québécois qui a fréquenté l'Église pendant 3 mois et qui ensuite est devenu un gourou. Il est mort il y a 2 ans de cela, assassiné dans sa cellule. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous parlez d'Adventiste,
Quelqu'un vous dira un bon mot stéréo. Voilà. Comment arrive-t-on là? Et dans mon ministère pastoral, j'en ai vu des choses. Je vois dans un pays que je ne mentionnerai pas, ce groupe de personnes avec... Tous les hommes avaient une très longue barbe. Toutes les femmes, des robes qui balayaient la poussière. Et des cheveux qui descendaient jusqu'ici. Dans les camp meetings, on les regardait avec étonnement. C'était les saints, n'est-ce pas? Dans une île où j'ai travaillé, eh bien, je revois eh bien, ces personnes habillées de blanc. N'est-ce pas? Sur une île, veillant et priant pour le retour du Christ. Et je connais deux ou trois familles qui ont sacrifié l'étude de leurs enfants à partir d'un texte où il fallait fuir la ville. Mais c'est terrible. De mes yeux, j'ai vu. Eh bien oui, traumatisés, frustrés par ces extrémistes religieux, et il y a actuellement une trentaine de groupuscules adventistes dans le monde capables d'exploser du jour au lendemain, exactement comme Koresh. Sujet délicat, où les émotions débordent la raison, n'est-ce pas? Troisième attitude, on cherche des boucs émissaires. Ah, on n'évangélise pas assez, puisqu'il est dit, cette parole sera prêchée avant qu'il ne revienne, puisqu'il n'est pas revenu. Cela veut dire qu'on ne prêche pas assez, probablement, n'est-ce pas? Mais ça n'explique pas la chose. On ne prie pas assez, on n'est pas suffisamment sanctifié, il y a trop de péché dans l'Église. Ces refrains, on les entend constamment. Il y a peut-être du vrai, probablement. Il y a toujours un texte qui pourrait les appuyer. Ou alors, on se laisse porter par toutes sortes d'interprétations. Donc, soyons, n'est-ce pas, eh bien, plus équilibrés. Alors, comme je vous l'ai dit, cette notion de fin du monde, vous la trouvez, n'est-ce pas, dans la société actuelle. J'ai lu un livre avec intérêt intitulé « La fin des temps », un magnifique texte écrit par Jean Delumeau, historien, Alain Carrière, cinéaste, Umberto Eco, eh bien, qui est mort il y a quelques années, qui a écrit un roman très connu, et Stéphane Jegoud, paléontologue, mort. Et c'est justement Stéphane Jegoud, non, c'est Umberto Eco qui dit ceci, je vous le lis, « Ses croyances ». Ces croyances et ces peurs typiquement religieuses ont déserté l'imaginaire des Occidentaux avec le déclin du monde chrétien et la sécularisation de la société. Toutefois, la pensée de la fin des temps est aujourd'hui plus caractéristique du monde laïque que du monde chrétien. On en parle davantage dans notre société. Mon père n'était pas si faux prophète que ça, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui l'Église qui se tait. Bien sûr, on ne l'attend pas dans la société laïque, eh bien, avec les symboles apocalyptiques, mais on s'attend à une catastrophe quelconque. Et très rapidement, je vous rappelle eh bien, le livre de Nicolas Hulot, le Titanic. L'histoire du Titanic a marqué le subconscient de notre civilisation, n'est-ce pas? Ce bateau qui coule, malgré ce sentiment qu'il était insubmersible. En une nuit, il disparaît. Et j'étais à Fidji lorsque j'écoutais, lorsqu'on donnait des Oscars, et James Cameron, le Canadien qui a fait le Titanic, recevait pratiquement tous les Oscars. Et dans son discours, il disait, j'ai fait ce film. Alors, certains sont allés voir les amours de DiCaprio, c'est pas ça le film, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai fait ce film pour faire comprendre au gouvernement que le bateau de l'humanité n'est pas insubmersible. Voilà le message, n'est-ce pas? Le syndrome du Titanic, le syndrome d'un homme qui va disparaître. Regardez un instant ces différentes revues que je trouve, n'est-ce pas, dans les kiosques. Et mon père n'avait pas ces revues, n'est-ce pas? La photo n'arrive pas très vite, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, quand je m'arrête dans un kiosque, je trouve partout, des éléments, n'est-ce pas? L'apocalypse, la fin du monde, science et vie, la fin du monde, quand, comment, pourquoi, terreur, attaque, ils nous prédisent un été d'enfer, survivrons-nous la fin du monde? Mon père n'avait que des quelques petites citations de Reader's Digest. Aujourd'hui, si je veux parler de ce sujet, eh bien, c'est le monde qui en parle. Et bien sûr qu'Hollywood y va avec force, avec des films tels que Deep Impact, The Day After, Armageddon, 2012, fin du monde, et la salle est toujours remplie. N'est-ce pas?
Je pense à ce livre de Martin Rees, qui est actuellement un des plus grands astrophysiciens du monde. C'est un Anglais. Et il dit ceci. Il évalue à 50% les chances de survie de l'humanité à l'issue du 21e siècle. On les compte. Et il nous met en garde. Non seulement l'humanité risque de s'autodétruire, mais elle pourrait même entraîner dans sa chute le cosmos tout entier. Donc, c'est juste pour dire, ce n'est pas les églises qui en parlent aujourd'hui, c'est la société. C'est la société, le concept d'un monde qui va disparaître et dans l'air, n'est-ce pas? Comment? Les gens ne le savent pas, mais ils s'y préparent. Alors, je crois, chers frères et sœurs, chers amis, qu'il nous faut à tout prix être absolument vigilants. Il nous faut à tout prix être absolument vigilants. Alors, donc, comment donc nous préparer? Comment donc nous préparer? Comment évaluer, n'est-ce pas? Évaluer, si vous voulez, un signe des temps. Venons sur cette question. Je crois que c'est important. La revue Histoire, le texte, vous la connaissez. Je ne vais pas le lire. C'est Jésus qui nous donne cette notion de signe des temps. Vous savez, regardez la couleur du ciel, d'où souffle le vent. Comment se fait-il que vous ne découvrez pas les signes des temps? Bien sûr, ce texte n'est plus valable aujourd'hui. Parce que malgré toutes les machines sophistiquées, on se trompe toujours avec la météo, n'est-ce pas? Alors que les Indiens, etc., du passé, tombaient juste. Bien qu'on raconte cette petite histoire que j'aime très, très bien à chaque fois que l'hiver s'approche, nous avons cette histoire. C'est l'histoire de cet homme qui veut aller faire une balade, mais il téléphone à la météo pour savoir si le temps sera beau. Et on lui dit, allez-y monsieur, tout sera beau, pas de verglas, pas de neige, roulez bien. Mais il n'est pas convaincu, il redemande de nouveau. Êtes-vous sûr? Pas de problème. Et devant, son inquiétude, la météo ne fait que lui dire, écoutez, téléphonez à l'Indien. L'Indien vous le dira, si le temps est beau. Il téléphone à l'Indien et l'Indien lui dit, oui, formidable, allez-y sans hésitation. Et à la fin, il dit, mais dites-moi, comment est-ce que vous le savez? Et l'Indien répond, nous avons téléphoné à la météo ce matin. Il faut avouer que nous sommes dans un contexte où rien n'est sûr dans ce domaine. Alors que c'était plus sûr au temps de Jésus. Et j'aime bien le texte parce que le Christ dit, je ne vous ferai aucun signe particulier. Lisez tout simplement l'histoire de Jonas, en d'autres mots, référez-vous au texte. Ne basez pas votre vie sur les événements. Ne cherchez pas des scoops médiatiques pour alimenter votre foi. Restez fidèle à ce que dit la Bible sur la question. Eh bien oui. Comment évaluer? Comment connaître? Une revue, après le 11 septembre, des historiens de la Sorbonne, le Christ dans Matthieu 24 nous donnera des signes touchant un peu tous les aspects. Vous avez entendu plus d'un commentaire là-dessus, je passe très vite. Matthieu 24, ce n'est pas toujours facile parce qu'il n'est pas très bien organisé. Qu'est-ce qui concerne la destruction de Jérusalem dans ce texte? Qu'est-ce qui concerne la fin du monde? Ce n'est pas toujours facile à voir, mais ces signes sont là. Alors, comment les évaluer, ces signes? La revue Histoire, n'est-ce pas? La revue Histoire, qui est une revue très, très connue, avait sorti une étude qui m'avait beaucoup frappé. Quelques semaines après le 11 septembre, 10 journées qui ébranlèrent le monde, qui sont des journées historiques. Le but est de bien définir qu'est-ce que c'est qu'un événement historique. Et c'est intéressant parce que parmi les 10 journées se trouve le tremblement de terre de Lisbonne qui a eu lieu en 1755, qui revient constamment dans notre vision des choses. Et alors, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a quatre aspects, n'est-ce pas, qui permettent justement de définir ce que c'est qu'un signe des temps. Voilà, voici ces quatre aspects qui permettent de définir ce que c'est qu'un événement historique. Premièrement, l'intensité. L'intensité. L'événement est intense, il ébranle, n'est-ce pas? Il secoue littéralement. Comme moi, vous avez vu ce qui s'est passé le 11 septembre et vous avez été, sans aucun doute, été secoué grâce à la télévision. Eh bien, nous avons tout ça en direct à la seconde,
n'est-ce pas? Deuxième aspect, imprévisibilité. On ne s'y attend pas. Ça vient comme cela. Même s'il y a quand même des indications dans l'air. Emporté, comme dit la Bible, par toutes sortes d'autres préoccupations, ça nous tombe dessus et on est tous étonnés. On est tous étonnés, beaucoup plus que les animaux d'ailleurs. Après le 11 septembre, j'ai lu dans un journal suisse que les défenseurs des animaux s'interrogeaient où sont passés les animaux après le tsunami. Pas le 11 septembre, le tsunami. Mais où sont-ils passés? Ils sont partis. Ils ont flairé l'événement. Au point que les Japonais actuellement étudient les poissons pour savoir s'ils pourraient nous avertir, nous les humains, que quelque chose arrive. Les seuls animaux qui ont perdu la vie, c'était les animaux humanisés, domestiqués, parce qu'ils étaient attachés. N'est-ce pas? Mais les autres sont partis gentiment, n'est-ce pas? Eh bien donc, c'est l'homme qui n'arrive pas à le prévoir malgré toute sa science. Imprévisibilité, ces avions qui écrasent ces tours ont bouleversé l'Amérique. Le côté imprévisible, c'est qu'ils ont tout fait avec des amis américains, des pilotes préparés sur le sol américain. N'est-ce pas? Retentissement universel, mondial, et quatrième élément, n'est-ce pas? Quatrième élément, conséquences. Nous vivons encore dans les conséquences. Je vous fais une remarque très importante. Le génocide rwandais a tué environ 1 million de personnes. Le 11 septembre, 3 000. La différence est énorme. Mais on n'a pas beaucoup parlé du génocide rwandais. En d'autres mots, ce génocide n'a pas fait effet. C'est même parfois bizarre qu'on ait parlé autant du 11 septembre. C'est que l'événement ici a une portée universelle qui a changé le cours de la vie et qui a changé notre façon de vivre encore maintenant. Et on ne va pas pouvoir revenir à l'arrière. C'est pourquoi, eh bien, ils disent le 11 septembre est un véritable traumatisme au sens psychiatrique du terme. Un traumatisme est parfois 20 ou 30 ans à se traduire en comportement à l'échelle d'un individu pour une société sera encore plus long. Je pense que nous allons toujours vivre dans l'attente du terrorisme. Je ne sais pas si on arrivera à changer cela. Voilà donc un élément important. Un signe des temps n'est pas localisé, il impressionne l'univers. Et j'aime cette deuxième remarque. Un événement est historique lorsqu'il a, je le relis, retenons cette ambivalence de l'événement. Il détruit et reconstruit. Il surgit comme rupture, mais en frayant la voie au devenir. Il détonne dans une conjoncture stable. Il surprend et inquiète, mais en même temps, il annonce une nouvelle voie. Faisons une application. Le Christ nous dit, lorsque vous verrez ces choses, que devez-vous faire? Levez vos têtes. Réjouissez-vous, car votre délivrance approche. Mais pouvez-vous vous réjouir vraiment lorsqu'un tsunami tue 200 000 personnes et parmi des milliers d'enfants? Quel chrétien qui pourrait dire « Merci Seigneur !» Ce serait indécent de faire une prédication sur le retour du Christ et de s'extasier devant l'événement alors que ce tremblement de terre a balayé toute une partie de l'humanité. Ces événements sont tristes à en mourir. On ne peut pas se réjouir, mais malgré tout, l'ambivalence de la situation, c'est que ça annonce enfin ce retour. Et c'est la difficulté du chrétien dans notre monde à devoir. Comment vous expliquez cette ambivalence? Lorsque le mur de Berlin tombe, c'est un autre monde qui apparaît, n'est-ce pas? Et lorsque Mandela sort de sa prison, l'apartheid est terminé, voyez-vous? Donc, des événements qui annoncent quelque chose à venir, n'est-ce pas? Lorsque Arafat salue des Begin, on pense que c'est enfin la paix au Moyen-Orient, mais rien ne s'est passé. Lorsque ces milliers de Chinois sont tués sur la place Tiananmen, manifestent sur cette place Tiananmen, on pense que la Chine devient démocratique. Ce n'est pas le cas. Eh bien oui, il y a toujours dans l'événement historique un avant, un après qu'il suit.
tous ces signes des temps, quand ils sont vraiment des signes des temps, annoncent en effet l'autre événement, le retour de Jésus-Christ. Il faut savoir rester serein face aux deux. Et c'est pour cette raison que je termine tout simplement par quelques recommandations, quelques conseils très simples. Comment vivre? Comment vivre la fin des temps au quotidien, l'avènement? Comment vivre? C'est la grande question. En se cachant? En passant des nuits en prière entre quatre murs? En s'habillant d'une drôle de façon pour faire savoir qu'on est déjà de l'autre côté? On en a vu, toutes ces exagérations qui existaient déjà au temps biblique. Des gens qui se mariaient, qui décidaient de ne pas vivre conjugalement et à passer leur temps en prière, des mariages blancs. Paul l'a connu, il leur a dit, aussitôt que vous avez prié, retournez ensemble. N'est-ce pas? Un conseil très judicieux. Voyez-vous, des gens qui, au temps de l'apôtre Paul, aussitôt qu'ils avaient entendu qu'il revient, avaient arrêté le boulot, s'étaient mis au chômage technique. Pourquoi travailler s'il revient demain? Pourquoi étudier, n'est-ce pas, David, s'il arrive demain? Vous voyez, des jeunes parfois se posent cette question. Comment donc attendre ce retour? Comment vivre dans deux mondes à la fois? Un monde qui n'est pas là et un monde qui est là. Eh bien, je vous donne, le Christ nous explique très rapidement. Premier élément, le retard est annoncé. Pourquoi est-ce que nous sommes embêtés avec ce retard alors que le Christ dit bien, je serai en retard? C'est clair. Trois paraboles mettent en évidence le fait que, comme l'époux tardé, longtemps après, à minuit, j'ai fait plusieurs mariages dans mon ministère et d'une manière générale, la plupart de ces mariages étaient en retard. Parfois une heure de retard. Et je me suis fait surprendre une fois parce que j'avais deux mariages à la fois. Et alors je me suis dit, bon, je donne deux heures de battement entre les deux. Mais malheureusement, le deuxième mariage est arrivé presque en même temps que l'autre. Et j'avais deux cortèges en face de moi. C'est pénible. C'est pénible. Bon, mais c'est toujours en retard. Mais là, le Christ a un retard, non pas d'une heure. Un mariage prévu pour 4 heures d'après-midi, il arrive à minuit. Qui vient à minuit pour son mariage? Je serai en retard. Pourquoi vous énervez? Vous excitez? C'est agréable lorsque les gens que nous invitons nous disent, ne vous en faites pas, on arrivera, attendez-nous. Et alors, s'il y a quelqu'un qui s'énerve, on le dit, mais ils ont dit qu'ils sont en retard. Calme-toi, n'est-ce pas? Calme-toi, pourquoi tu t'énerves? Et tu passes ton temps à regarder par la fenêtre. Mais non, ils ont dit, et tu leur as dit, venez quand vous voulez. Eh bien oui, le retard était annoncé. Premier élément, alors comment attendre? Comment attendre? Première parabole, leçon, première leçon, tenez-vous prêts, veillez et priez. Première leçon. Deuxième leçon, le serviteur fidèle, ne pas attendre dans l'oisiveté, continuez à travailler, à développer les talents que Dieu vous a donnés. C'est Luther qui disait, on va fêter ses 500 ans très bientôt, il disait, s'il devait arriver demain, je planterai aujourd'hui mon pommier. S'il devait arriver demain, je planterai aujourd'hui mon pommier. Combien je serais heureux qu'il me surprenne en train de prêcher lorsqu'il arrivera. Continuez. Et il l'appelle, ça sont les serviteurs fidèles. Donc, continuez à être vigilants. Donc, les 10 vierges, préparez-vous, chacun pour son compte, car le salut est un individuel. Préparez-vous, chacun pour son compte. Fructifiez vos dons. Fructifiez vos dons. Donc, il n'y a pas un appel à l'oisiveté, à l'indifférence, à une vie de reclus. Au contraire, bien au contraire. Et dernièrement, n'est-ce pas, pratiquez la compassion. Que voulons-nous faire? Surtout, Matthieu 25, qu'il ne faut pas détacher Matthieu 24, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Voilà donc le Christ avec réalisme. Voilà comment nous devons attendre. Et j'aime cette déclaration que j'espère retrouver, n'est-ce pas, de E.G. White. Regardez ce qu'elle dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges,
Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Écoutez bien. C'est ainsi que le Christ décrivit à ses disciples la scène du grand jour du jugement. Alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers, il montra que sa décision dépendrait d'un seul facteur. Je relis. Qui sont ceux qui seront avec et qui sont ceux qui seront exclus? Un facteur décidera. Quel est ce facteur? Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que deux classes dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou négligé par rapport à lui dans la personne des pauvres et des affligés. Voilà. Comment vivre comme j'ai vécu? Il passait beaucoup de temps en prière, parfois toute la nuit, mais toute la journée qui suivait, il était dans le monde, avec les gens du monde, il accomplissait son œuvre messianique, il guérissait. Et j'aime, pour terminer, n'est-ce pas, cette déclaration que je crois que c'est d'un pasteur évangélique, disons donc que le Christ dans cette parabole nous exhorte à prévoir l'imprévisible. Il coupe les ailes de tous les illuminés qui, à cause du retour du Christ, en viennent à oublier la prudence, la sagesse et cette vie présente. Ce sont ceux qui ne voient dans ce temps actuel qu'un contre-temps. Ici, Jésus donne un conseil plein de sagesse à l'Église. Certes, vous êtes le cortège nuptial du Fils de l'homme. Certes, vous devez vivre dans l'attente, dans l'espérance de son retour. Seulement, vivez pleinement chacun des jours qui vous sont donnés. Vivez-les à la fois comme si le Christ pouvait revenir demain, mais aussi comme s'il pouvait venir beaucoup plus tard. Sachez donc être des gens qui espèrent vraiment, mais aussi qui sont présents à leur présent, des hommes pleins de foi et pleins de prudence, des hommes que demain ne rend pas étrangers à leur aujourd'hui, et aussi des hommes que leur présent n'aveugle pas sur leur avenir, des gens qui ont la prudence d'être présents au monde contemporain et gardent l'espérance du monde à venir, et finalement des gens qui se nourrissent de l'espérance à propos du monde contemporain, parce qu'ils attendent avec une vraie prudence le monde à venir. Soyez à la fois de vrais hommes et de vrais croyants, c'est cela, la vigilance. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est important d'être attentif, mais comme le dit l'apôtre Pierre, avec une saine intelligence, n'est-ce pas? Et je me dis toujours, en réfléchissant à ce thème, je pense toujours à ce texte de Paul, « Christ en vous, qui peut terminer l'espérance de la gloire. » Votre espérance n'est pas dans les journaux, n'est pas dans les scoops médiatiques, n'est pas dans les événements qui passent, il est où? En vous. Et portez cette espérance, nous attendons dans le calme, la confiance, que votre cœur ne se trouble point, comme l'a dit la version de notre sœur, ne soyons pas excessivement inquiets. Calme. Il revient. Cette histoire me semble être appropriée à un étudiant qui demandait un jour à un rabbin, quand devrais-je être en bon terme avec Dieu? À quel moment il faudrait que ma vie soit en règle par rapport à Dieu? Le rabbin lui répondit, le jour avant ta mort. Réponse du rabbin, n'est-ce pas? L'étudiant alors le renchérit, « Et quand vais-je mourir ?» Le rabbin lui répondit, « Personne ne sait. » Conclusion, soyez toujours